Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blood Bowl 2, ce nouveau match même devrais-je dire de Blood Bowl 2. On joue dans la Super Croc Bowl toujours, on est toujours avec nos nanas jaunes, c'est la journée 6 si je ne m'abuse. Et on affronte comme prévu des bons gros nains bien sales. Alors il s'est pas mal fait défoncer parce qu'il avait 1810 de TV et il est retombé à 1170. Avec deux blessés quand même plutôt au niveau. Il garde quand même hein, énormément d'avantages sur nous, on va pas dire le contraire. On a quoi? On a 200k de porte-monnaie. Ouais, prendre des mercenaires. Peut-être une petite tronçonneuse pour essayer de casser de l'armure. Ça pourrait être pas mal, hein, peut-être une tronçonneuse plus efficace qu'un... Ouais, plus efficace qu'un éclair contre des nains. Après, est-ce qu'on se prendrait pas un apothicaire? Allez, on va tenter l'apothicaire. La dernière fois, c'était une serveuse qui nous aurait fallu, mais bon, j'ai complètement oublié de cramer mon blé en plus, c'est débile de ma part. Mais tant pis. Donc on a perdu de la TV. Bon, ça va certainement pas être un match très très facile. Mais on joue à domicile. Très très bien. Et... qui gagne le toss? C'est nous. Bon, on va essayer d'attaquer. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va peut-être pouvoir du coup utiliser notre tronçonneuse directe. Oh les gardes partout, les gardes, les châtaignes, même les mecs qui avaient pas tacle, ils ont du tacle quoi. Purée, ça va être difficile hein. Tous les longues barbes ils ont tacle. On va voir comment il se place, on va essayer. L'avantage c'est qu'il a quasiment que des joueurs phares, donc on va essayer de tronçonner direct un mec important si on peut. On a notre quête de force ici qui va quand même pouvoir servir. Alors est-ce qu'il nous laisse un 3 quarts efficace ou son tacle devant? Ok. Je pense qu'il va, il va pas nous laisser autant de personnes. Non, il nous laisserait son tueur, hein, pourquoi pas. Hein. Bon, on a un solitaire, mais pour l'instant, on va dire que c'est pas très grave. Ok. Donc barbe. Châtaigne stabilité. Ici, il y a un blitzer avec 6 de mouvement. Un coureur avec 7 de mouvement. Ok, alors, où sont nos châtaignes? Nos châtaignes vont taper, il n'y a pas de débat. Je vais peut-être... Alors je me tâte à blitzer avec la tronçonneuse, non, je vais pas blitzer... Oh, si, on pourrait blitzer quand même un mec un peu... T'as combien de mouvements toi? 6, 1, 2, 3, 4, ouais, ça le ferait. On va le protéger un petit peu, on va essayer de blitzer ce mec là. Papillote, tu viens là avec ton peu de mouvement. On n'est pas trop en risque hein, de se faire submerger par les nains. Donc ici malgré la garde, ici on aura +1/+1, donc on devrait avoir 2 dés, +1/+1 2 dés, et on termine là, et après on pourra tenter un petit blitz à la tronçonneuse. C'est parti.
On y croit. Et il gagne une relance. Très très bien. Très très bien. Alors, c'est parti pour les premiers blocs. Un pot, ça va. Ok, très bien, le double crâne. Hop. Ensuite, on a 2 dés là. Ça tombe. Pas d'armure qui passe, très bien. Alors, est-ce que on peut... Oui, on peut blitzer avec la tronçonneuse. Pourquoi je peux pas... Allez, c'est parti, on va tenter un petit tronçonnage là. Une sonnette, bah c'est pas dingue. Mais c'est toujours ça de prix. Du coup, on s'infiltre un peu. Histoire de le protéger. Hop. Là on a un 4 de force. Putain, il y a de la garde mais partout quoi. On va se mettre par là. Tant pis. Ouais, quoi qu'on va se coller. Allez, faut se coller de toute façon. Faut pas glander, hein. On n'est pas là pour glander. Ici on va aller s'infiltrer carrément derrière. Il y a une esquive, ça attaque ce truc. Ouais putain, ça attaque. Du coup on va se mettre plutôt par là. Mettre une fille autour de la balle. Parce qu'il y a quand même du set de mouvement en face, hein, qui peut tracer un peu. Et on tente un ramassage. Ramassage qui passe, parfait. On va par là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Hop là, on met une glissade contrôlée collée à la balle. Et on est parti. On aura au moins réussi une sonnette, c'est pas mal. Donc là on a elle qui tient, hein, Prester Janet de retour, qui tient 3 nains à elle toute seule. Bon, ça va durer un tour, hein. Le prochain tour ce sera pas la même. Mais bon, c'est toujours ça de prix, un tour de gagné. Alors il attaque, ok. Du coup, vu que lui est par terre, avec le 4 de force, on a moyen d'ouvrir un chemin par ici. Hein. Lui peut pas prendre la balle, lui. Hein. Nanana, nanana, nanana. Ah, c'est pas marqué. Il pourrait porter la balle, Helmut, en fait. Hein. Bon, ça serait vraiment dernier recours, mais... Alors, comment il va gérer ça? Oh, j'avais pas vu, mais il a des esquives quoi. Putain, mais tous ces jets, les doubles, les compétences. C'est le ouf quoi. C'est incroyable. Alors, un blitz ici avec le pot, ok. Attention sur le 6 d'armure. Ça passe. Et c'est une blessure sur Grendon. Non, là on va claquer l'apothicaire. Hein. Oh putain. Perd un point en mouvement. Bah non, on rate le prochain match, hein, ça reste moins pire. Je voulais essayer de la garder sur le terrain, mais enfin, ou au moins dans la partie. Mais bon, tant pis. On a perdu Grendon pour ce match. Ça pique hein, parce que c'est une joueuse quand même plutôt star. Voilà, donc ici on va se prendre une tatane aussi, on s'y attendait. Mais s'il poursuit, il est au contact de la tronçonneuse, je pense qu'il pas qu'il va poursuivre. Ouais, non. Par contre, lui n'a pas de tacle.
Ah, une esquive. Il tente. Ah, elle esquive qui rate. Ce qui relance. Il relance. Et ça réussit. Ok. Donc il m'ouvre le chemin par là. Intéressant. Intéressant, intéressant. Il reste plus quelques secondes, mais il a joué tout le monde de toute façon, hein, donc je pense pas qu'il va jouer beaucoup plus. Ok, alors avec notre balle, on peut aller jusqu'ici, faire une transmission là. Alors pourquoi pas? Après, toi tu peux aller jusqu'où? Jusque là-bas. Donc il faut quand même qu'on aille un petit peu sécuriser le truc. On a peut-être d'autres actions à faire avant, je pense. Par exemple, toi, tu pourrais aller te coller là. Ah merde, il y a lui qui est au contact. Ah. On a qu'un seul dé ici. Ah, on est quand même bien... bien collé, hein. Puis alors avec ces trucs, bon tant pis, on va devoir tenter ça d'abord. On va faire ce petit blitz ici, je pense. Ah, il a 10 d'armure ce machin, sérieux. Peut-être plutôt là du coup. Ouais, on va être au contact, hein, donc non, faut qu'on passe par ici. On va plutôt faire ça. Ah, ça rate, pas de chance. Bon bah c'est pas grave, on a 2 dés ici, on tape. Hop là, voilà, on va se coller un peu. Ensuite, toi du coup, tu peux aller toujours pas très très loin, malheureusement. Deux paquets pour aller par là, de toute façon on va pas avancer des masses hein. Ah c'est chaud hein. Bon on va peut-être pas avancer autant que ça en fait. Alors c'est un peu chiant parce qu'il va recaler ses nains mais... ouais on va peut-être pas avancer autant que ça. On va venir se mettre ici. Pas collé à lui, ici on va avancer un petit peu par là. Là on va venir, alors coller ça m'emmerde un peu mais ah non, coller ça va céder c'est sûr. On va venir se mettre par là. Ça a combien de mouvement d'agilité ce truc? Ça a 3 d'agilité hein, donc attention quand même, il a des possibilités là. Ah putain, il reste plus qu'une seconde, merde, j'avais pas vu, ça va tellement vite. Viens là toi, ici même plutôt, ici, raté. Ah ouais, les 2 minutes ça fait mal hein. Quand on doit parler en même temps, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, c'est un peu fragile du coup, on a elle qui est derrière qui sert à rien, c'est chiant mais tant pis. Faut faire avec. Voilà, l'armure qui passe encore, mais on dirait que c'est qu'un sonnet, ok. Presseur Janet qui est sonné. Dans 5 de mouvement. Ouais, on a commencé à être vraiment bien endommagé sur cette team. Je pense qu'il va prendre un but sur Helmut. Vu qu'Helmut n'est pas du tout protégé, j'aurais dû courir avec elle pour le protéger. Mais... oh là là, les armures. Ouais, la garde. Enfin, pas la garde, le tacle, ça va vraiment être compliqué. Helmut il va se faire dépouiller. Il peut même aller. Non il peut pas aller caler une garde dans le dos de la balle, mais là on va se faire cerner et on va souffrir. Je pense que j'aurais dû transmettre à Est un 4 de force et courir, elle était quand même relativement seule quoi. Allez, ça repousse mais il y a la frénésie. On prend la stabilité, ouais. Ah et le pot fait chier. Oh puis la blessure, mais sérieux. Ah là 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 là. Bon, c'était notre seul 8 d'armure, hein. Il aura cédé. Pff,
Quoi que je prenne en TV, ça sert à rien, quoi. C'est impressionnant. Elle est où notre garde? On n'avait pas une garde. Elle est KO notre garde, c'est celle qui s'est fait buter? Ah oui, elle est KO. Bon, ok. Il s'est relevé là. Il se place bien hein, parce qu'on va galérer à avoir des 2D partout. Là on a de la force dans le dos. Là on a de la force partout aussi. Ici même avec nos deux on est dans la merde, là on peut pas avancer, oh putain c'est compliqué. Ouais, ce match me fait déjà chier en fait. Très clairement, il n'y a pas d'autre mot. Devoir coller des gens, ou blitzer là. Mettre là un renfort là, mais si j'ouvre ici c'est catastrophique. Puis de toute façon, si j'évacue pas, je vais me faire défoncer. Tant pis, on va devoir aller en renfort avec la balle, c'est de la merde. On va être obligé de rester là un tour. Mais ça va être super compliqué, quoi. Puis l'esquive, quoi. Sur des nains. Mais ramenez-moi tous ces nains avec esquive, hein, c'est surréaliste, quoi. C'est complètement surréaliste. Je peux même pas mettre quelqu'un là pour neutraliser les supports. Il y a de la garde partout. Oh putain. Je sais même pas quoi faire. Sérieux, je sais même pas quoi faire. Bon, on va déjà essayer de tenter une esquive ici. Il y a le tacle, mais c'est pas grave. Hein. Il faut qu'on revienne dans la mêlée parce que. Si je bouge n'importe qui là, on est complètement ouvert. Elle va se faire défoncer. Ouais, bah tant pis. Hein. Ça sera notre seule action du tour. De toute façon, si je bouge qui que ce soit, ça fait une ouverture et on se fait ouvrir à l'arrière là pour amener du renfort. Et devant c'est pareil, tout le monde est bloqué. On va se faire massacrer. Au prochain tour, il va être tout collé à la balle et on pourra encore moins faire de trucs. Et on aura complètement foiré notre attaque. Il n'y a pas d'autre mot. Trois personnes dehors quoi. Et nous notre tronçonneuse elle a pas réussi un truc quoi. Le peu de temps qu'elle a été sur le terrain. Allez on va essayer d'aller par là. Ah puis l'armure qui casse. Oh là là. Pff. Non mais sans déconner quoi. Oh c'est ouf. Putain. Ah ouais non mais là le Blood Bowl ça me lourde. Hein. Franchement en ce moment il n'y a pas d'autre mot quoi. Ah bon voilà, il pourra blitzer la balle sans aucun problème. Il a peut-être même une garde à mettre là. Ouais, on peut libérer lui pour aller se foutre hein, peut-être un peu dans le tas, si il veut. Il a blitzé ou pas encore? Il a pas encore blitzé. Donc ouais, là il va pouvoir taper, bon, faut qu'il prenne le risque entre guillemets de taper avec son solitaire. Voilà. Puis derrière, blitz sur la balle. Qui poursuit, ça fera un support. Et le but ça donne sur la balle, pas de soucis. Ah, un double crâne. Et un pot. Et Papillote qui meurt. Ah non. Il poursuit pas, mais la balle tombe quand même bien pour lui. Ah putain. Ah le ramassage qui passe, mais c'est pas vrai, mais l'esquif hein. Oh.
Ah mais elle est... cette équipe de nains quoi, 4 d'agilité, esquive quoi, le mec il a fait un quoi, un 9 ou un truc du genre, et un double, enfin... Ah c'est surréaliste quoi. J'ai même plus envie de relancer un truc comme ça sert à rien là, c'est juste gagner du temps pour qu'il marque pas quoi, mais récupérer la balle ça sera totalement hors de propos donc c'est on va juste se faire défoncer quoi. On a cramé tous nos apothicaires en deux tours pour rien. Notre tronçonneuse a dégagé donc tout l'indusment qu'on avait il a servi à péon. Et là, du coup, on va juste se faire piétiner la gueule pendant 16 tours, quoi. On passera jamais une armure, parce qu'on sait bien que le jeu, il a décidé que t'allais perdre, tu passeras jamais une seule armure. Ah, il a peur de Prester Janet, hein. Il veut 3D. Franchement, j'ai même plus la foi là. Y a pas d'autre mot. Ah, il a même pas 3D. Oh, pourquoi il a pas tapé avec sa châtaigne, c'est dommage. Oh, bah, je suis bête. C'est parce que ça sert à rien la châtaigne. Bah oui. Bah, quel imbécile je suis. Excusez-moi, excusez-moi, je me suis oublié quelques instants. Oh là là, les pots encore quoi. Il y a des gardes partout, jamais on aura 2D, c'est impossible quoi. Je peux tenter de blitzer la 1D ou amener peut-être. Non, là ça sert à rien, de toute façon il y aura du 1 de force dans le dos quoi qu'il arrive. Un renfort là pour taper à 2D, enfin non, même pas à 1D là, puis c'est de blitzer ici avec elle. Puis ouais. Ouais, bon, on va tester ça. Hein. Oh là là. Même ça, c'est pas possible, quoi. Oh, une armure qui passe. Oh, dis donc. Impressionnant. Ça déconne plus, là. Allez, on a un dé là, du coup. Sa peau. Attention, le jeu est en folie là. Oh, une deuxième armure qui passe, c'est la teuf. Ah là, peut-on espérer un retournement de situation de dernière minute? Attention, tout est encore possible. Ah, il a stabilité, je peux pas bouger. De toute façon, je pouvais pas bouger plus. Allez, on y croit.
Oh là là, c'était notre tour de chance là. On va se faire dépiauter, hein, mais c'est pas grave. C'est pas comme s'il restait plus grand chose dans notre équipe de toute façon. Il a eu quoi? Commotion, ok. Attention Malice, Malice qui tank. Est-ce qu'il prend un extra bloc? Est-ce qu'il repousse par là? Ok, il préfère éloigner la balle. C'est pas déconnant. Il se barre avec la balle, normal. Voilà, cela dit, hein, le temps qu'il arrive à la ligne pour marquer, si on passe quelques armures, on a le temps de massacrer son équipe. Hein. Avec notre 7 d'armure ou nos 6 d'armure contre ses 9 et 10 là. Bon, on a sorti le 10 quand même, hein. Faut avouer, sortir le 10 d'armure, ça pour le coup c'était vraiment mouleux. Hein. Sa balle est déjà bien protégée. Maintenant, est-ce qu'il va vouloir taper? C'est la question. Il a pas de tacle. Ça repousse. C'est un dé là. Deux dés. Ah oui, la garde, putain. Ah, oh, tous ces gardes. Pourquoi je vois plus les compétences là? Ah oui, parce que ça a disparu, c'est vrai. Ah, on va pouvoir prendre un bloc sur lui, peut-être. Ah non, il y a la garde derrière aussi, pardon. Ah mais j'allais dire presque un tour sans un passage d'armure, mais non, j'aurais même pas dû le penser. Hop là, on a 5 joueuses dehors, parfait. Parfait, 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 ça attaque ce truc, ouais, ça attaque, tout attaque. On a des gens libres ici, hein. On pourrait aller coller là par exemple. Avec Prestar Janet. Dans une furie de défense, les deux Prester Janet qui se précipitent sans aucune pitié. Alors là on n'a pas tacle, on n'a pas bloc pardon. On pourra essayer de taper là, pourquoi pas. Ici on a qu'un dé parce qu'il y a la garde dans le dos. On peut pas vraiment se débarrasser de la garde. Ouais, écoutez, on va tenter là. Hein. Oh, un pot. C'est classe ça, un pot. Faut qu'on reste hein, parce qu'on doit. Et ici on fait quoi? On fait un truc comme ça? On blitz même carrément? Non, c'est complètement con. Blitzer là plutôt. Ok, la stabilité. Et on court. On court jusque là. Allez hop, c'est parti. Avant. Ouais, on va s'arrêter là. Ici j'ai pas bloc. Ce truc là ça attaque, ouais. Donc mieux vaut laisser un peu de force, même s'il y a la garde, ça joue pas des masses, mais... Essayer d'occuper un peu des nains, histoire qu'ils reviennent pas trop emmerder mes défenseuses. Trois gardes au contact, je crois que ma tour, tu vas prendre cher là. Quelque chose me dit que... Il a envie de te taper dessus. Moi j'imagine qu'il va taper avec Maurice pour libérer sa garde peut-être. Enfin oui, qu'il avance avant. J'aurais peut-être dû tenter de me coller quand même, tiens là, ça aurait évité de... Il aurait eu un défenseur en moins. Je me serais pris une tatane en plus, l'un dans l'autre. Non bah, il est tellement serein qu'il y va même pas. Pourquoi pas. Ok, un petit blitz ici avec tacle. Jacques Villeneuve qui se lance. Et qui rate. Et qui rate, c'est propre.
Et puis il poursuit pas en plus, hein. C'est intéressant ça. Ah, il préfère se replacer, oui, oui c'est pas déconnant en même temps. Il sait que je pourrais pas percer un truc pareil comme ça. En plus, elles ont que 5 de mouvement, les deux Prester Janet qui essaient de poursuivre, elles sont presque plus lentes que des nains. Elles sont plus lentes que les nains, hein. C'est ouf, hein. Il y a juste lui là avec ses 4 de mouvement qui est un peu plus lent. Aïe, et une sonnette, très bien. Ouais, bah de toute façon là, contre des nains avec des Amazones, on a raté notre phase d'attaque. Derrière, on pourra rien faire. Hein. À sa phase d'attaque, il va nous défoncer. Hein. On peut même pas espérer que nos KO reviennent comme le dernier match, puisque de toute façon, ils vont se faire. Enfin, on en a pas. On a qu'un, deux. Ah, on a deux KO quand même. On pourra peut-être récupérer deux joueuses, c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Bon, alors on va tenter de blitzer là peut-être. Enfin, faut qu'elle sorte de là, elle. Sinon, on peut faire quoi? Bon, allez, on va tenter. Ah bah. On va quand même essayer de relancer ça histoire de sauver Papillote. Allez, ici on tente le blitz de l'amour. Sur un coureur qui n'a que 8 d'armure, mais ça repousse malheureusement. Ah là là là, c'est le drame. C'est le drame, c'est le drame. Bah du coup ici il faut que tu te casses, hein. Je suis désolé. Mais... Parfait, joli double esquive de la part de Papillote. Malice qui est au contact d'un tacle. Ouais. Malice, est-ce que tu te sens tanké, Malice, hein? C'est un peu gratuit hein, parce que tu bloques que deux joueurs. Allez Malice. On y croit. Alors est-ce qu'on se sent plus et on tente un truc comme ça? Allez. Ah bah non quand même, hein, c'était risqué. Et la petite blessure sur Prester Janet. Prester Janet qui nous déçoit terriblement. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est vraiment le début de la fin. Elle a plus de dos, elle a plus de mâchoire, elle a plus rien Prester Janet quoi. Oh la vache. Commotion grave, cheville détruite, dos abîmé quoi. Bon bah comme ça au moins. Ah là, quelle tristesse, quelle tristesse. On nous avait tellement habitués à mieux. En plus, on aurait réussi à la mettre là, il aurait pu galérer à le sortir. Bon, pas vraiment, il aurait blitzé par ici et puis ça aurait été fini. Mais... Il aurait dû faire des jets, on va dire. Une fois n'est pas coutume, hein. Regardez notre fosse, regardez nos relances, regardez les siennes. Voilà. Le jeu te chie dans la bouche. Je pense qu'il va se toller, hein. Vu comme il se place, il est parti pour. Ok, un pot. Il a raison, hein, sinon ça voudrait dire qu'il se prend 3 blocs gratuits. Enfin, 3 blocs gratuits. On a même plus de quoi faire 3 blocs gratuits, donc de toute façon. Il nous reste 4 joueurs sur le terrain. Du coup il stole pas. Alors voyons ça. 4 morts et blessés, 2 KO qui reviennent, on a notre remplaçante, hein. c'est pas perdu. Si j'ose prononcer ce mot. Non, c'est pas perdu, on va pouvoir faire une passe à XP. Attention. Attention, attention les yeux. Putain, il nous reste juste une châtaigne, une seule blitzeuse. Oh putain quoi. Pff,
Oh le massacre. Ouais, c'est la seule force des Amazones, hein, c'est qu'il faut pas que ces joueurs stars qu'ont péniblement monté, tous les autres ils peuvent mourir mais pas eux, et bon bah là ça a été là. C'est la cata quoi. C'est la grosse cata. Là il se place bien pour pouvoir venir en renfort et faire ses blocs. Pas trop loin. Bon bah, faut quand même tenter hein. Plutôt taper avec elle qu'à bloc. Donc là on a 2D, là on a 2D. Ce qui est cool c'est notre garde est revenue. Oh là là, mais regagne une relance quoi. Et en plus la balle est... Oh putain, je peux même pas pouvoir faire une passe quoi. Ah, là, 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 là. Ouais, Prester Janet qui connaît une saison difficile, je suis bien d'accord. Y'a pas d'autre mot. Saison de merde même, on peut le dire. Allez hop, 2D. Et ben là voilà, on l'attendait, le double crâne. C'était prévisible, donc on va se faire... défoncé. Non mais c'était pas safe hein, c'était un bloc à 2D avec quelqu'un qui a bloc, franchement. 17% de chance de ça que ça échoue. Et toujours pareil, ça échoue. Vous regarderez les autres matchs hein. Toujours. Le tour de bloc de crâne. C'est surréaliste. J'en ai mis un peu mal. Faut vraiment que je fasse une pause hein, parce que c'est. Ah, ça a plus aucun sens quoi. Là on avait une petite chance de rééquilibrer un peu. Et du coup non, ces mecs sont au contact, il va pouvoir faire deux blocs. Blitzer derrière, enfin. Et on a eu du bol hein, ça a été que un sonné hein. Il peut même piétiner s'il veut, il s'en fout. Lui il fait des pots, pas de problème. Allez, la garde qui repart KO. Au moins elle aura servi un tour. Oh bah dis donc. Oh il va relancer. Voilà. Ça rate quand même. Impressionnant. Bon, en défense. Ouais, bah... Sincèrement, j'ai pas trop d'idées. On va essayer de garder la garde en sécurité, tant pis on va sacrifier Papillote. La châtaigne et la garde. Et ouais, bah ouais, c'est sûr, hein. On souffre, mais bon, bah il y en a toujours qui souffrent moins. En général, c'est celui qui a la TV la plus basse qui souffre le plus. Mais c'est vrai que là, enfin. Bon, je crois que je joue avec Krug éventuellement quand je refais de la SKB, mais là, il a déconné à me foutre. Je sais pas pourquoi il m'a foutu en D1, quoi. Fin. C'était la mort assurée cette saison.
sympas, hein. Enfin les adversaires sont très sympas et tout, hein. Je dis pas, hein, mais les matchs où tu subis, bah. Pff. C'est chiant quoi, il n'y a pas d'autre mot, c'est chiant. Il a même pas mis son 4 derrière. Tiens, j'ai plus. Ah bah non, bah j'ai plus de blitzeuse, j'ai plus rien. Donc j'ai plus ma lanceuse non plus. Ah oui, la anticipation. Bah ouais, vas-y. J'ai envie de tirer. C'est oui, c'est pour ça qu'il a pas pris son 4 d'AG, ouais. Parce que lui, il a anticipation. Ah, et du coup, la balle dévie d'une case. Ah, intéressant ça. Ouais, elle est là notre tireuse, ouais, c'était Grendon, ouais. Fracture du crâne et ligament arraché. Ouais, bah, écoute, t'es dans la merde, t'es dans la merde, hein, qu'est-ce que je te dis, moi. Bon bah là, pas la peine de regarder, on va se faire défoncer. Et la petite blessure, normale. Une commotion, ça va. On a quand même fait une blessure sur le 10 d'armure, c'est un bel achievement. Il devrait y avoir un success team pour ça d'ailleurs, je pense. Ah, et il a gardé la frénésie pour le solitaire, c'est gentil. Alors, est-ce qu'il va amener d'autres personnes pour avoir plus de dés? Ah, dextérité, lui? Ah oui, c'est un corps à raison dextérité de base, ok. 7 de mouvement, putain, ramenez-moi ce mouvement quoi. Alors, le premier bloc qui rate, attention la frénésie, et le deuxième qui passe. Mais l'armure qui tient le choc. Attard la danseuse qui résiste. Du coup, maintenant un blitz sur Benico. Et il attaque, donc ça passe. On va se barrer par là, tiens. Enfin, si on est encore debout, non, c'est bon. On est au sol pour deux tours. Très très bien. Bon bah, pouvoir tranquillou ramasser la balle. Alors nous, on va faire quoi? Je sais pas bien quoi dire, hein. Franchement, je sais pas bien quoi dire. Ah là, déjà, on va se relever parce que c'est encore le seul moment où on peut un peu tenir la foule. Puis bah écoutez, on va faire un truc comme ça. Voilà, on met la garde là histoire d'avoir la garde et puis on blitz le solitaire. Hein, puis on va se rater. On va poursuivre quand même histoire de montrer que on n'est pas là pour déconner. Hop, voilà, 7 secondes de tour. Record à battre. Alors, ça passe, le blocage. Je pense qu'il va bloquer, ouais, voilà. La petite armure, et c'est une sonnette.
On va se faire enfermer hein, avec seulement 3 joueuses debout, on peut rien espérer d'autre. Hein. Ah, un double crâne, attention. La chance tourne. Ah non, non, non pardon, je me tais. Il aura quand même cramé ses relances sur des doubles crânes. Hein. Globalement, il n'en a pas cramé beaucoup, mais. Ou sur une esquive aussi, je crois. Enfin, sur des 1, il a quand même fait des 1, on va pas dire le contraire. On peut pas lui enlever ça. Pourquoi il ne bouge pas avec sa châtaigne? C'est bizarre ça. Bon, enfin, ça tombe pas après, mais. Ça, c'est encore autre chose. Ah, on va pouvoir prendre un bloc sur lui. Hein. Intéressant ça. Ah, on va pouvoir peut-être être collé à la balle. Non, il recule. Il est pas fou. Il a vu qu'il y avait des risques. Parce que là, on avait un blitz à 1D sans la balle directe. Hein. Ensuite, il va faire quoi? Avancer d'une case, taper là. Il y a lui qui a pas tapé. Ah merde, il a pas tapé. Il faut que tu sois debout encore. Faut que tu sois là au prochain tour, Maïs. Chier, je pensais qu'il y avait plus personne dans la mêlée là, mais il avait à taper avec son solitaire. Oh le pot encore! Oh c'est chiant! Oh là là! Bon, puis bah, le dernier bloc là, voilà, un pot, et voilà un pot. Non, c'est son solitaire, il pourrait cramer des relances dessus, mais non quoi, enfin. Moi j'ai pas fait un bloc avec mon solitaire. Déjà j'ai pas pu, puis Malice qui est blessé, bah voilà. La dernière blitzeuse, perd un point en mouvement, cette équipe est morte, hein, franchement. Ouais, voilà, là pour le coup, on peut se relever là. On peut se relever ici pour annuler des supports. Puis blitzer, non pas là, ici. Voilà, à 2D sur le tueur de troll, pour le plaisir. Voilà, allez hop, dégage. L'armure qui passe pas, hein, parce que ce serait trop triste. Allez, esquive à 4+. Ah d'accord. Ce misclic qui passe. Ah, c'est tellement beau, quoi. Oh putain, on se troll jusqu'au bout. C'est un misclic, hein, il l'a dit, hein. Puis ça me paraît assez évident, mais tellement il y a tellement de compétences, on voit plus les joueurs quoi. Mais que ça fonctionne, c'est un truc qui devrait être puni normalement ça. Donc là bloc, les deux vont venir taper sur Papillote, enfin y a rien qu'on puisse faire. Hein. Quand on passe à 3 joueuses, j'abandonne, hein, je préviens. Est-ce qu'il me reste des joueuses qui n'ont pas de blessure? Fingers a pas de blessure. Une blessure. Banana a pas de blessure. Bon, lui on s'en fout. Une blessure. Une blessure. Ah, mais c'est bon, je sais que tu me tapes dessus. Allez, Benico! Tu tombes pas, tu peux blitzer la balle. Moyennant une esquive. Enfin, s'il tape avec celui-là, s'il fait un autre truc bizarre, je ne sais pas, mais. Aïe, ouais, bon, enfin, en même temps, je dis tape pas, mais. Je suis tellement cerné, je vais faire quoi? Une esquive à 5+ pour me barrer, c'est complètement con. Avec des tags partout en plus. Ah, il en veut à ma garde, hein. Pauvre petite Fingers. Qui résiste, hein, mine de rien. Ah, il veut sécuriser la... Oh, c'est la chute. Attention, un petit paquet, un double 1 peut-être. Non, pas le double 1.
5 plus, 3 plus, franchement moi je dis ça se fait. Deux paquets pour aller là, c'est complètement con. Et si on sait déjà? Toi tu pourrais aller là? Ouais tu peux aller là. Allez. Viens occuper un peu la foule. Allez, on fait un bloc ici. Il fait un pot, on libère Papillote. Enfin, on la libère. Disons pour les 20 prochaines secondes. Et ici, on blitz la balle. Telle une hirondelle qui s'enfuit. Allez, on y croit. Benico, tu peux y arriver. Non, tu peux pas y arriver. C'est pas possible. Tu meurs, non? Tu meurs ou tu meurs pas? Et t'es blessé. Non, mais on peut pas y arriver, mais en plus, on fait un double 1. Tant qu'à faire. C'est... Ouais, non, c'est bon. J'arrête là. Allez, on le laisse prendre son touchdown. Voilà, on va attendre que le jeu l'enregistre. C'est bon quoi. Forfait, c'est un forfait. Voilà, ce sera notre deuxième forfait de la saison, mais là c'est vraiment pas possible quoi. C'est complètement injouable. C'est... Un petit 2, pourquoi pas. Hop, non, toi on s'en fout de ta vie. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Attends, le nombre de blocs qu'on a fait, c'est dramatique. Bon, bref. Allez, j'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve peut-être pour un autre match. Parce que franchement, ça commence doucement à me lourder. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.